Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous raconte une petite péripétie qui vient de m'arriver parce que je me dis qu'on est vraiment dans un monde de fou. Alors comme vous savez, d'habitude quand je vais en France et tout, je prends toujours des agents de sécurité, etc. Mais là, en fait, on est venu à Mykonos. J'avais envie de venir entre potes avec mon mari, en fait. Mon mari, mes potes, j'ai pas pris d'agent de sécu. Je me suis dit, on a la cool, on est entre amis. Bref, on s'en tape. On est dans un restaurant, on est en train de manger. Tout le monde part faire du jet ski. Et puis moi et Mine, on reste à table, on continue à manger. Et derrière moi, il y a un couple et une meuf qui me filme. Et quand elle me filme, bah moi je fais un sourire à la caméra parce que bah, quand les gens ils me filment, c'est normal, je suis une personne publique, on me filme, c'est normal, c'est cool, on me demande une photo, c'est cool et tout. Donc je fais un sourire à la caméra. Donc du coup là elle me dit, déjà je peux te poser une question, je lui dis oui. Et là elle commence à me poser des questions négatives. Et je lui réponds, à partir de là on n'a rien à se dire. Et je pars, je repasse, elle est là, elle se fout de ma gueule, elle rigole, je sais pas quoi, elle gesticule les mains. Donc je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle vient sur moi, la meuf, elle veut qu'on se batte. Voilà, et son mec il continue à me filmer ou je sais pas ce qu'ils font. Et elle me dit, tu connais la liberté d'expression, je sais pas quoi. J'ai dit, mais il n'y a pas de liberté d'expression, en fait, tu me filmes pas pour me poser. Du coup, vraiment, elle me pousse à bout. Genre, elle veut vraiment se battre. Genre, elle est là, ouais, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et tu vas faire quoi? Ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle me dit. Bah, moi, en fait, les amis, tout ce que j'ai fait, c'est faire demi-tour. Alors, c'est vrai que parfois, bah, nous, les femmes, ça peut nous, on peut se sentir genre humiliés de faire ça. Mais en fait, en vrai, c'est la bonne solution. J'ai des enfants, je suis une mère de famille, je vais faire quoi? Elle veut qu'on se batte là, sur une plage privée, ou alors que je suis en train de dîner avec mes amis tranquillement. Elle, je comprends pas, elle est censée être en vacances à la cool avec son pote ou avec son mari ou je sais pas qui. Et en fait, elle veut se battre. Donc moi, ben non, je suis partie, j'ai marché, elle m'a suivie jusqu'à mes transats. Mais en fait, ce qu'elle voulait, c'était qu'on se batte, qu'elle fasse une vidéo, qu'elle sorte une vidéo. Diaz et moi, on s'est battus, je sais pas quoi. Mais ça, je le donnerai jamais, les amis. Je conseille à toutes les mères de famille, à toutes les femmes, quand vous vous faites embrouiller dans la rue, faites demi-tour, barrez-vous. Ne croyez pas que vous êtes inférieur, c'est juste que vous êtes supérieur justement en fait. Vous n'avez pas le temps pour ça. Parce qu'en fait, dans quel monde on vit? On doit se battre avec les gens pour un tout, pour un rien. Je suis pas d'accord. Voilà, donc je voulais vous le raconter parce que en fait, en l'espace de 20 minutes que ça s'est passé, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour m'en parler. Qui apparemment a été envoyé par Pierre, Paul, Jacques. Bref, encore une histoire de fou. Mais ça a duré 10 minutes, mais c'est pas grave. Au moins si la vidéo elle sort, bah, au moins je me suis exprimée avant. Et sachez que vraiment, encore une fois, je dis à toutes les femmes. Et nous, on n'est pas des hommes. Hein. Moi, j'ai pas fait l'armée. Je suis mère de famille. Je suis en piste avec mes potes. Je profite de mes vacances. Et jamais de la vie, et je le dis pour toutes les autres qui peut-être un jour ça leur viendra à l'esprit, jamais je vais me donner en spectacle devant tout le monde. Jamais je vais me battre avec vous dans des lieux publics ou pas publics. Parce qu'en fait, j'ai passé l'âge de tout ça. J'ai 28 ans. Voilà.